Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Bermuda Lost Survival. Nous sommes toujours perdus dans le triangle des Bermudes avec notre petit aventurier, notre grain d'aventurier. Bien entendu les gens, n'oubliez pas le petit like ainsi que le petit lien G2A dans la description pour acheter vos jeux moins chers si vous soutenez la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pas grand chose, comme vous pouvez le voir. Alors, je dis pas grand chose. En fait, si vous voulez, j'ai farmé un petit peu. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été chercher un petit peu de scrap metal. J'ai été chercher un petit peu de planches sous la mer. Quelques pierres, quelques sticks, tranquillement. Je crois que le plus, c'est ici, me semble, hein. Ouais, voilà, j'ai récupéré 50 planches, 40 pierres. Je vous assure que c'est super long, un truc de fou. J'ai farmé super longtemps pour remonter tout ça. Et je me suis dit que la dernière fois, vu qu'on avait déjà vu des sessions de farm et tout, bon, c'était un petit peu le début du jeu pour vous montrer et tout. Maintenant, on va dire que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Je vous assure que me voir ramasser des bouts de planches, des bouts de pierres et tout pendant 2 heures, quand on a fait le tour de la map, c'est pas forcément super, super intéressant. Là-dedans, eh ben, j'ai de la corde qui farm tranquillement, voilà. Ça farm. Enfin, du moins, ça craft. Et c'est impeccable. Alors, je vous remercie bien entendu pour tous vos retours sur le jeu, ça fait très plaisir. Moi franchement je kiffe. Comme vous le voyez là, j'ai mis des petites bouteilles et tout. J'ai du charbon, donc ça c'est cool. Le charbon, je sais pas encore à quoi ça va me servir. Si, attendez, il faut qu'on fasse un truc comme ça, voilà, parce que maintenant la priorité, ça va être la faim, la soif. C'est fait, on a le truc pour distiller de l'eau. Maintenant va nous falloir un petit barbecue, histoire de grailler de la viande, vous voyez. Un petit peu de poisson on va dire. Donc on va crafter un truc comme ça, un petit barbecue. On va le poser tranquillement. Et ce que je vais faire également, c'est qu'avec les planches que j'ai ramassées, on va agrandir un petit peu la base. On va crafter ça, ouais voilà, bah craft all, tiens. On va en crafter 2, c'est parfait. Comme ça, là-bas, putain mon vieux, c'est la merde, je vous jure à chaque fois. Voilà. Ici. What? Attends. Où est-ce que j'ai... Putain, je suis perdu, mon vieux. Attends. Il est où, mon barbecue? Ah, bah, il est là. Ok, d'accord. Où est-ce qu'on va poser ça? C'est la grande question. Attendez. Avant de poser ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer ça. Parce qu'il y a un truc qui me casse un peu les pieds vite fait à chaque fois. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai bu de l'eau. Oh, bah, tu me diras... Allez, champagne, mon vieux. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reposer une base ici, s'il y a moyen. Comme ça, ça m'évitera... Oh putain, mais c'est pas vrai. Ça m'évitera à chaque fois de plonger dans l'eau pour monter sur mon truc. Mais putain, mais monte, mon vieux. Voilà, voilà, j'ai envie de faire ça. Comme ça, vous voyez, j'ai pas besoin à chaque fois de... Ah bah attendez, mon radeau recule, j'ai l'impression. J'ai l'impression que mon radeau recule, c'est fait exprès ou quoi? Non, 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 c'est bon. Voilà, comme ça, il y a juste... D'accord, ouais. Mon radeau recule. Putain, c'est chiant ça. Voilà, bon, c'est pas grave. Ah, il y a un truc qui me plaît pas, c'est qu'en fait, je l'ai pas foutu droit, ce machin, putain. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de le récupérer, quoi? Non? Avec le marteau. Attends, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde, j'ai masqué mon inventaire. Oh, c'est quoi, ça? D'accord. Oh, bah, putain. Ah, bah, en fait, c'est plus grand que je le pensais. D'accord. On a une map, mon vieux, je viens de m'en rendre compte. Ah, je pensais que moi, tout jouait ici, tu vois. Je pensais que ça allait jouer ici. Voilà, bah en fait, non, ça joue aussi là. Et puis là, et là, et là, et là, et tout là, apparemment. D'accord. Autant pour moi. J'étais pas au courant. Bon, à mon avis, par contre, ici, le développeur n'a pas encore fait... Enfin, voyez ce que je veux dire. Voilà, vraiment, je pense que ça se joue là et là, du coup. Après, voyez que ça fait une grande étendue d'eau pour, au final... Pas grand chose à explorer. Alors ça, c'est pareil, hein. Il a prévu d'agrandir tout ça, bien entendu. Mais du coup, ouais, faudra qu'on aille par là. Bon. Peut-être un peu plus tard, éventuellement. Du coup, je suis emmerdé, mon vieux. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. On va caler ça juste ici. Voilà. Yes. Crac. Impeccable. Nickel. C'est parfait. Du coup, je vais prendre mon petit barbecue. Voilà. Putain, c'est ça qui est chiant à chaque fois, quoi. C'est que tu tombes dans la flotte. Voilà. Bah, ce que je vais faire... C'est que, écoutez, je vais le poser par là, hein. Voilà. Yes, juste ici. On va faire un truc stylé, comme ça. Crac. Voilà, yes, ok. Maintenant, éventuellement, je peux faire cuire du poisson, si j'en ai. Mais j'en ai pas. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on pourrait peut-être se crafter une petite lance, s'il y a. Est-ce qu'il y aurait pas? Ah bah si, attends. Si, j'en ai vu une. Voilà, spear. Unlock, qu'est-ce qu'il nous faut? 5 stone, 10 sticks, 3 ropes. Oh bah je les ai, à l'aise mon vieux. Vas-y déjà, tiens, donne-moi de la rope. Comme ça, ça m'en fait 52. De la pierre, j'en ai là. C'est parfait. Et des sticks, j'en ai ici il me semble. Ouais, j'en ai pas assez. Oh, arrête. Sérieux?
Attends, j'en ai dans mon sac. Non? Putain, j'en ai pas assez. Attends. Ah, moi, que là-dedans, ça brûle tranquillement. Ok, bah, il va me manquer un stick. Super. Ouais, j'ai dû, à mon avis, j'ai dû tous les dépenser pour faire ça. Sûrement. Bon, écoutez, on va aller chercher un stick tranquillement. Regardez, il y en a là juste en bas. Non, ça, c'est de la pierre. Un stick, il y en a un. Il y en a. Bah, il y en a pas. Il y en a pas. Attendez. Ça, c'est de la planche. Si, il y en a un là-bas, un stick. On va ramasser ça. Il y en a un juste ici. Bon, avant de remonter, je vais faire une petite session farm tranquillement. Je vais ramasser les pierres qu'il y a dans le coin. Voilà, j'ai fini la petite session farm. Alors, j'ai surtout ramassé des planches, des sticks et de la pierre. J'en ai ramassé pas mal. Maintenant, on va remonter. Je vous assure qu'à chaque fois, les sessions de ramassage et tout, c'est quand même assez long. C'est pour ça que je veux pas tout le temps vous montrer la même chose non plus. Mais bon, c'est le jeu. Alors, attends, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus ce que je voulais faire. Attends. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah non, si! Ah oui, je voulais faire ça. Voilà. Ça, crack. Yes! Ok. Upgrade niveau 10. Bon, on n'est pas encore au niveau 10. Les habilités, c'est pas encore déverrouillé. Coming soon. Ça, c'est dans les prochaines mises à jour. Les achèvements, pareil. Coming soon. Hein. Et les artefacts, coming soon. Ok. Bon. Eh ben. Bon, pour apporter la chasse, mon vieux. On va aller tuer du requin. Hein. On va l'attaquer du shark un petit peu. Hein. Alors, attends, là-dedans. Ouh. Pop. Attends, stop. Voilà, on va éteindre, on va économiser les planches tranquillement. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais ramasser ça. Éventuellement, on va mettre ça là-dedans, je pense. Pourquoi je peux pas bouger? Ok, alors j'ai redémarré le jeu pour rien. En fait, il y avait pas de bug. C'est juste que j'avais trop d'objets dans mon sac, ce qui fait que mon inventaire était trop lourd pour que notre jeune aventurier aux épaules fragiles puisse se déplacer. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben c'est bon finalement. Impeccable. Voilà, je vais reposer les cordes là-dedans. Vas-y, continue de crafter. Ici, je vais faire le plein. Je vais prendre un peu d'eau. On va en prendre une petite dizaine. Là, impeccable. J'en ai pris 50 finalement. Autant voir les choses en grand. Et puis au moins, j'y retournerai pas. Et puis ça tombe bien, j'avais soif. Bon, on va mettre ça là-dedans. Voilà, il y a des bouteilles qui farment tranquillement. On va boire ça, on va boire ça. Champagne, allez. Et je vais en prendre... je vais en prendre quelques-unes. On va laisser ça ici. C'est parfait. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps. Hein. Il est temps d'aller chasser du requin, mon vieux. Il est temps d'aller s'y frotter. Alors, attends. Avant d'aller m'y frotter, on va faire une sauvegarde, histoire d'être tranquille. Une petite sauvegarde, comme ça, c'est parfait. Nickel. Allez, c'est parti. Let's go. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, mon vieux. Allez, vas-y, viens. Attends, quoi que tu me diras avant d'aller tâter du requin? Oh, j'aurais pu aller tâter du petit poisson. Non, on va tâter du requin direct. Regardez, on va l'avoir. Il fait demi-tour. On va l'avoir. Putain, il veut pas venir. Hein. Il veut pas venir. Attendez. Tiens. Prends ça, mon vieux. Alors? Ça te calme? Il veut pas venir. Attendez, il y en a un, là. Il y en a un. Putain, mais... Il fuit, mon vieux. Ils attaquent pas. Attaque! Bon sang! Il est bloqué. Oh le salopard! Ils attaquent. Pas! Et moi j'ai faim, par contre, va falloir que je mange au bout d'un moment. Vas-y, je charge mon coup. Il est là. Saloperie. Je charge. Oh, j'en ai eu un! Yes! C'est bon? Grab! Yes! C'est bon ça. Ou par contre, ça va peut-être attirer le requin. Là, il va peut-être attaquer. Yes, j'en ai eu un. Allez, je ramasse celui-là. Je charge le coup. Et je... relâche. Voilà, yes. Vas-y, je prends miam miam. Ça attire pas le requin? Non? Bon, bah ça va, écoute. Bon, on va remonter. Franchement, là, je me suis mis bien. Je dois avoir à peu près 5-6 poissons, je pense. Voilà, impeccable. On remonte. On va faire cuire ça tranquillement. J'en ai combien? J'en ai 7. Yes. Bon, bah, run, c'est parti. Ah, non? Comment ça, non? Basic crafting matériel. Peut-être que c'est pas du charbon qu'il va falloir mettre là-dedans. Mais peut-être des planches. Vas-y, avec des planches de bois. Ah, effectivement. C'est des planches de bois. D'accord. Au niveau de la soif, au niveau de la faim, on n'est pas trop mal. On est bien, même, je dirais. Maintenant, prochaine étape, c'est crafter ce machin. 20 planches, 20 sticks, 10 scrap metal. Scrap metal, j'ai des sticks. J'en ai pas. On va aller chercher ça.
On va aller chercher tout ça tranquillement. Voilà, on va ramasser ça tranquille. Oh, et puis là, attends. Tiens, il y a des coffres ici. Vas-y, comme ça. Ça, c'est cool. On va ramasser... Là-dessus, on ramasse des planches et du scrap métal. Deux en un. J'aurais peut-être pas le temps d'avoir le troisième avec l'oxygène qui me reste. Deux. Je ramasse ça sur la route. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais devoir remonter. Vas-y, je vais tenter... Je vais tenter de le ramasser. Allez, vas-y, je remonte. J'espère qu'on va avoir le temps de remonter. Ça devrait le faire, normalement. Ouais. Yes. Impeccable. Alors, nous disions donc que nous allons crafter, du coup... Ah, 10 sticks. Ah merde, j'ai oublié de ramasser les sticks. Attends. Ah bah, j'en ai là. Impeccable. Voilà, je mets ça là. 20 planches, c'est bon. Ah, c'est 20 sticks. Putain, 20 sticks. Oh putain, attends, j'ai faim. Merde. Je suis redescendu en bas, moi, comme ça, quoi. Je vais aller chercher des sardines après. Je ramasse juste des sticks, tranquillement. Voilà. On va remonter. Là, je pense que j'en ai largement assez. Alors, attends, déjà. Voilà. Fais péter ça. Je vais prendre ça juste ici. Et on va manger un bout. Putain, ça nourrit pas... Hein? On va se mettre à fond de partout. Voilà, on est à fond. Bon, maintenant, je pense que je peux faire ça. Ouais, yes, yes, yes. Écoutez, on va crafter un truc comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ok, ok. Alors, attends. Vas-y, je vais le mettre... Ah, c'est con, je peux pas le mettre là. Écoutez, on va mettre ça juste ici. Voilà, comme ça. Crac. Ok, on va pouvoir faire un radeau, en fait. Alors, pour le radeau, il nous faut 20 planches, 20 cordes et 10 sticks. Bon. On va aller chercher tout ça. Les cordes, j'ai ce qu'il faut. Voilà, on va mettre ça, tout ça, ici. Et va falloir que je retourne chercher des sticks. Et bah c'est parti, mon vieux. Let's go. Ouh, attendez, il y a du métal, là. Ça aussi, ça peut servir. Hein. Vas-y, je vais en ramasser quand même. On va ramasser le métal juste ici. Des sticks, pour l'instant, j'en ai 9. Donc, je suis encore loin des 20. Et puis, je vous assure qu'il faut fouiller partout. Hein. Le problème, c'est que le métal, ça me prend beaucoup de poids dans l'inventaire. Le sac, il se remplit vite. Impeccable. C'est parfait. Ouh, il y a encore une épave là-bas. Il y a des coffres. Les coffres, pour l'instant, je vais pas spécialement m'en occuper. Nous, on est plus à la recherche de sticks. Et le 20e stick, juste ici. Crac! Impeccable. On a les 20. Bon, je vais quand même prendre ceux qui sont aux alentours. On va remonter tranquillement. Et on va faire le radeau. Voilà, donc, il nous fallait ça, ça, ça. Vous voyez, j'ai ramassé pas mal de trucs. Hein. Unlock. On peut l'upgrader, on peut le réparer, on peut le repositionner. Yes! Ouh, bah écoutez... Bah, il est plutôt sympatoche, notre petit radeau, non? Ouais, c'est pas mal, ça. Ah, on peut sauvegarder ici. On a un coffre sur notre radeau. On a une table de craft juste ici. Et est-ce qu'on peut se barrer, au moins? Use. Oh, yes. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Je teste un petit demi-tour pour voir si ça fonctionne bien, là. Ouais, yes. C'est parfait, ça. Allez, vas-y, je me gare. Vas-y, je fais péter le créneau. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas trop mal comme ça. Impeccable. Attends. Je vais le repositionner. On va le repositionner. Voilà. Yes. Nickel. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à faire? On détorche. Ouais, pourquoi pas. Des coffres, des escaliers. Ok. Écoutez, on va faire une torche comme ça. Voilà, ça, ce sera pas mal. Ça nous fera une petite source de lumière tranquillement sur la base. Voilà. Yes. On va mettre ça. Oh, puis ça marche bien. Voilà. Je vais mettre ça juste ici. Yes! Et va falloir déjà aller rechercher du poisson parce que je commence à avoir super faim. Lui, par contre, il m'intrigue, le requin, là. Je voudrais bien l'avoir un petit peu, mais... Ah, ils sont peut-être bons, ceux-là. Viens voir là, toi. Pété, pété, pété. Ils se mangent pas, ceux-là? Comment que ça se fait qu'ils se mangent pas, ceux-là? Pourquoi il veut pas les pêcher? Ah, c'est peut-être pas bon à manger. Il préfère les bien gras, bien dodus, comme ceux-là. Voilà, viens ici mon petit. Bon, eh bien écoutez, la pêche était bonne. Ça va, j'ai pêché 9 poissons. J'ai pêché des planches, des sticks. Un peu de pierre, ouais, j'ai pêché un peu de tout en fait. Et on va remonter là. Et je vais faire cuire tout ça. Voilà, on va faire comme ça, crac, c'est parti. Nickel, on va manger un petit bout. On va manger encore un petit bout. On va boire un petit coup. Encore, voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir jusqu'au petit matin. Voilà, impeccable. On va faire une petite sauvegarde. Et puis, bah, et puis on va partir à l'aventure, mon vieux. Voilà, on va partir visiter ce bout d'île, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais juste prendre ça avec moi. Voilà, je vais prendre également des bouteilles. Et puis, on est parti. Allez, let's go. À l'aventure! C'est parti. Alors, attends, c'est par où? Eh bah, c'est par là. C'est tout droit. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. On reviendra! Ah ouais, vous voyez, les déplacements, ils sont vachement lents. Hein. C'est un truc de fou. À mon avis, peut-être plus tard, il y a peut-être moyen de mettre
un petit moteur sur le bateau ou... Je sais pas. Peut-être à la Stranded Deep va savoir s'il trouve des jerrycans ou... J'en sais rien du tout. Attends, j'ai envie de voir un truc. Est-ce que si je plonge là... Ouais. Ouais, bah oui. Forcément. C'est vide. Putain, il est où mon radeau là? C'est très vide. Ah bah non, il est là. C'est l'ombre qui reflète là-bas. Allez, vas-y, c'est parti. Regardez ça, on arrive à la limite du premier... de la première zone de la map, on va dire. Voilà, on y est presque. J'ai envie de voir ce que ça fait, vraiment. Voilà, stop, attends. Qu'est-ce que ça fait si je plonge là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, il n'y a rien, en fait, quoi. C'est délimité... c'est juste délimité par attrait sur la map, quoi. Un petit chant des pirates et tout tranquillement en traversant l'océan, c'est plutôt cool. Ouh, regardez ça. On arrive ici dans une nouvelle zone. Et oui, on est dans une nouvelle zone. Alors ça, en fait, ça va être un petit peu notre petit sac de voyage, notre ado, quoi. Va savoir, peut-être qu'on va trouver de nouvelles ressources ici. Voilà, on va s'arrêter en plein milieu. Et on va plonger. Voilà, impeccable. Arrête-toi là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ouh. Oh, bah déjà, tu vois, il y a déjà plus de poissons que l'autre côté. C'est pas les mêmes poissons. Ça a l'air un peu plus profond. Ouais. Il y a un petit bateau et tout, là, tranquillement. Ça se ramasse pas, ça, non? Non, ça se ramasse pas. Il y a des coffres ici, d'accord, très bien. On explore un petit peu, hein. Tiens, d'ailleurs, voilà. On va prendre les coffres. Voilà, on va en prendre un, c'est cool. On va continuer d'explorer. Par contre, c'est vachement sombre par là, hein. À mon avis, je pense qu'il y a moyen de se faire une torche ou d'en trouver une, je sais pas. Peut-être avec des nouvelles ressources ou... Je sais pas du tout, franchement, là. Ah, parce que c'est vachement sombre, quoi. C'est un truc de fou. Ça, je pense que ça se ramasse, non? Ouais, ok, d'accord. Bon, ça, c'est des planches. On va pas trop traîner parce qu'on n'a pas beaucoup d'oxygène. Oh, là, je suis dans une grotte, quoi. Voilà, on va sortir de là. On va remonter. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que de l'autre côté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah ouais, franchement, c'est carrément plus profond. Bon, il y a mon radeau qui est là-bas. Va pas falloir qu'on le perde. On va vraiment aller dans la profondeur. Ouh, tiens, il y a des sticks. Je l'ai vu. Des sticks. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est les mêmes ressources. Ah, attends. Est-ce qu'on peut ramasser de la pierre? Non, pas du tout. Vas-y, on va aller voir un peu plus loin. On va aller s'engouffrer là-bas. Toujours les requins qu'on peut pas attaquer, bien sûr, parce qu'ils se barrent. Ça, c'est du métal. Va falloir qu'on remonte. Sachant en plus que c'est plus profond. J'ai vraiment l'impression que cette zone, elle est plus profonde que l'autre. Regardez combien de temps que je mets à remonter, quoi. Comparé à l'autre côté. C'est sûr que c'est plus profond. Voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on récupère soit des palmes ou bouteilles d'oxygène, tu vois. Histoire de plonger un peu plus longtemps. Un petit comme ça. Histoire... Ouh, bah c'est les mêmes que l'autre côté. Bah, voilà, j'y étais sur cette épave là, c'est bon. Là, franchement, je suis en train de faire le tour un petit peu de la nouvelle zone. Et bah, et en fait, y a rien de nouveau, quoi. À part la zone. C'est vrai que bon, ça change légèrement de décor, on va dire. Un petit peu, vite fait, quoi. Bon, les gens, j'ai fait le tour de la zone, hein, vraiment. Et bah, au niveau des ressources et tout, y a rien de nouveau. Alors, vous allez peut-être vous dire, quel intérêt qu'il y a à naviguer d'une zone à l'autre, on va dire. Bah en fait, moi je dirais que l'intérêt, à part peut-être ramasser juste le scrap métal, voilà, parce qu'une fois qu'on a détruit tous les coffres de l'autre côté, tous les tonneaux, toutes les carcasses d'avion, bah forcément il n'y a plus de métal nulle part. Donc voilà, peut-être à part chercher du métal, c'est le seul intérêt qu'il y a à naviguer d'une zone à l'autre, je pense. Tu vois? Voilà, après ça sert à rien qu'on aille plus loin. Vous voyez qu'il n'y a pas de map. Bah écoutez, on va rentrer à la maison tranquillement, hein. On va essayer de rentrer avant la nuit, ça va être chaud.
vue, capitaine. Droit devant. On est bientôt arrivé. Voilà, impeccable. Est-ce que je peux pas pousser mon petit radeau rouge, par exemple? Non, je ne peux pas le pousser. Et mieux que ça, j'ai envie de dire. Je suis complètement bugué dedans. Ah, je peux pas le pousser, par contre, je peux le tirer. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ah bah là, je l'ai éloigné, mais d'une puissance. Voilà, impeccable. On jette l'ancre. Allez, hop. Nickel. Alors, j'ai ramené pas mal de trucs quand même, hein. Ici, ok, c'est bon. Regardez encore tout ce que j'ai ramené là. On peut se faire éventuellement un petit escalier. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'on va se faire? Ah ouais, on peut carrément se faire un petit étage et tout. Un petit étage bien tranquille, quoi. On peut genre faire ça comme ça. Crac. Oh putain. Là, on s'est mis bien, mon vieux. Là, on a un étage et tout. Oh lolo lolo. J'ai bien envie de crafter un truc comme ça, là. On va voir ce que c'est un petit peu. C'est quoi, ça? Ouais, c'est un espèce de ponton. Putain, merde, j'ai faim. Très bien. C'est un ponton, quoi. Voilà. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà. Voilà. Impeccable. C'est pas pour pêcher du poisson, ça, des fois, ce machin, là? Attendez, on va faire un machin comme ça. Je vais également faire un machin comme ça. Voilà, on va poser ça tranquillement. Ça, à mon avis, c'est pour marquer sa position. Et voir comment que ça se met. Ouais, à mon avis, yes. Tu mets ça comme ça. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est peut-être pour pêcher du poisson. Ça, ça va être pour marquer sa position. Voilà, admettons, je le mets là. Crac. Je pense que dès que j'ouvre la map, non, ça fait rien. Mais de toute façon, je sais que je suis là, hein, mais... D'accord, ce truc-là... Non, 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 non. Non, qu'est-ce que j'ai... Je l'ai détruit. C'est pas grave. Il sert à rien. Voilà. Bon, bah écoutez, les gens, je pense que là, ça va être pas mal. Alors, sincèrement... Je pense qu'on a fait le tour du jeu. Là, honnêtement, je vous en montrerai pas plus. À part si on se met à construire une villa de 15 étages et qu'on recouvre tout l'océan de dalles de bois, ce qui servirait complètement à rien. Je pense qu'on a exploité toutes les capacités du jeu. On a vu tout ce qu'il y avait à faire. Ce que je veux dire, c'est que ça servira à rien de faire une centaine d'allers-retours histoire d'aller chercher des planches et mettre des bases qui serviront à rien au final, pour le moment. Vaut mieux attendre deux nouvelles mises à jour de la part du développeur. Et ensuite, on verra un petit peu ce qu'il a apporté comme nouveauté. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se voit bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye!